Salut à tous, c'est Tony et bienvenue pour l'épisode numéro 3 de notre Let's Play sur Borderlands 2. Je suis accompagné de Moot Moot. Salut tout le monde. Coucou Moot Moot. Salut, salut. Voilà, donc souvenez-vous, dans l'épisode précédent, nous avions tué un boss qui nous jetait des grenades et qui allumait des trappes de feu, comme dit si bien Moot Moot, via la Wi-Fi. voilà, donc la grande classe. Et si vous voyez que nous avons deux niveaux supplémentaires, ce n'est pas que nous avons joué ensemble sans vous. Non, on vous le jure, on vous le promet. C'est simplement qu'il y a eu un petit défaut de sauvegarde et on a dû se retaper un petit peu toute la map jusqu'à maintenant. Du coup, on a pris deux levels. Et je profite donc de ceci pour vous montrer que j'ai deux points de compétences supplémentaires. Donc, commençons par le commencement. Moot Moot, comment tu vas? Bah écoute, ça va. Petite journée un peu frisquée aujourd'hui. Ah, il fait un petit peu froid, effectivement, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, compétence, expertise, augmente la vitesse d'échange d'armes et de visée ainsi que la vitesse de déplacement en visée. Voilà, ça m'intéresse pas exceptionnellement. Augmente les dégâts des armes, plus 3, plus 8, je prends. Et comme j'ai un deuxième, on va le coller sur l'autre. Allez, tant qu'à faire, on va équilibrer un petit peu notre arbre de... d'amélioration, et donc nous avions niqué le boss comme j'ai dit précédemment, et nous rentrions, oui c'est bien ça, dans ce petit garage, et nous continuons ensemble. En plus on était vraiment pas loin de la fin, hein. Pour le coup je veux pas dire, mais ouais. Ah, petit mur invisible, sympathique. Tac. Donc il n'est pas impossible que j'ai du lag pendant cet épisode, puisque je suis en train de vous uploader un épisode de Borderlands sur le YouTube. Donc ça sera un épisode un petit peu, oula. Comment t'as fait ça, toi? Un petit peu compliqué par moment. Je m'en excuse, je ferai attention à l'avenir, mais là, il faut absolument qu'on vous tourne l'épisode numéro 3. Donc, écoutez, plus attention la prochaine fois. Juste, t'as vu toute la mission qu'on a fait jusqu'à maintenant? Exactement, et ça, on a gagné 15$. Yeah! Ça vaut le coup, hein? Oh là là! C'est BG. J'aime bien, ils nous appellent les sbires, je trouve ça énorme, moi. Putain, on avait fini, t'imagines, mec, on avait fini, et on s'est retapé, ouais. 20 minutes de jeu, juste pour arriver au même endroit, alors que, voilà, on aurait pu sauvegarder très très rapidement. Le mec, il a à peine un but de lui-même, quoi. Restez dans votre trou, c'est la part de sans pitié. Je t'avoue, c'est génial. Je pense qu'on va avoir des voitures là, non? Ouais. Ça c'est bueno. On fait demi-tour et on rentre dans notre... violent et sans pitié. Sanctuary, c'est à peine moins pire. Il te faut une voiture pour parvenir aux portes de la ville. Va à l'autoloc. Oh oui, ça me rappelle des bons souvenirs, l'autoloc. Ouais. Ah, il y a du monstre en face. Il y a 4 bras, il a l'air assez dégueu. Hop. Et faire, ah. Oula. Ouais, ouais, il résiste bien en plus, hein, il résiste bien. Et du critique en fait dessus. Fais gaffe, ou tu te prends des cailloux. Ouais, j'aime mieux ça. Jetez-lui des cailloux. Sur YouTube, jetez-lui des cailloux. Allez. Il aime ça. Attends, je change de flingue. Ah, j'aime quand ça explose, quoi. Hop. C'est quoi l'item? C'est le gardien. Oula, ouh, oh, calme-toi. Mais calme-toi. Je crois qu'il veut se reproduire avec toi. Ah, c'est bon, il y a assez que... de claptrap qui se reproduit avec un interrupteur, hein. C'est bon. On a déjà ses données dans l'épisode numéro 1 ou 2 ? Numéro 1, je crois. Plus sans certitude, un petit trou pour le coup. Et du véhicule, mec, dans l'air. En audio, j'ai l'impression que... Ça s'appelle du vent. Ok. Merci pour ce vent. Très sympa. Oula. Oh putain. Ouh là là, je prends à droite. Allez, 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 allez. GG. T'as un shield si t'as besoin.
Justement, on parlait justement avant de reprendre le record que Moot a quelques difficultés dans l'équilibrage de son perso tant qu'il a pas de bon matos pour l'instant et c'est très compliqué pour lui. Donc j'hésite pas à lui filer tous les shields et des trucs comme ça pour qu'il puisse un petit peu. Tiens, d'ailleurs, il y a l'autolock là-bas. Ouais, c'est ça. Ouais, on peut vendre aussi. Yes. On va d'abord vendre. Un bouclier de 157, ça t'intéresse ou pas? Pour capacité, après cadence de recharge moins 18 pour moi, donc il y a 18, et délai de recharge 4,62. Ah ouais, je veux bien, ouais. Attends, comment je fais pour te donner ça? Attends, il y a une touche échange là, regarde, attends. Ah. Si je fais ça. Pour maintenir les soins, ok. Ouais, voilà. Et là, tu dois pouvoir me le donner, je pense. Ah, tac. Voilà, à toi d'accepter, je pense. Apparemment, on peut faire un duel pour l'objet, d'après ce que je vois. J'ai vu le bouton duel. Ouais. Bon. Merde. Oh, pardon. Mince. C'est un certain scooter qui contrôle les bornes autolock. Il lui manque peut-être une ou deux cases, mais c'est un petit prodige en matière de véhicule. Il a verrouillé cette station pour la protéger des bandits. Il y a un robot d'Hyperion inactif dans le camp des sans-pitié. Si tu peux brancher son adaptateur d'interface sur l'autolock, je piraterai la borne et tu auras ton véhicule. Bon, elle est pas un peu moche, hein, quand même. Elle est sublime, cette nana. Ah, ça fait un peu du chier. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses quand... Merde, j'en sais une greu, fais gaffe, je suis désolé. Là. Oh. Hop, allez, on entraîne tout le monde. Qu'à faire. Ouais, ça me fait penser à Fear dans ses interventions, je sais pas si tu vois. Ah, t'es mort. Médic. Prends cher, hein. Je vais vite me mettre à couvert. Et moi, je prends super trop cher. Ma tourelle, je suis passé à faire quelque chose. Ouais, ça tire. Ah, regarde, je suis en mode furie. Ah, ça y est, c'est fini. Ah non. C'est génial. Les deux armes et tout. Y a un nomade un peu plus balèze que les autres. Y a un mastodonte, tu sais. On se croirait dans Code. Y a un mastodonte. Ah, c'est très puissant quand je mets un furie. Ouf. J'ai arraché la tête ou c'est moi? Ah, c'est bueno ça. Ah, je prends super cher, oh là là. Je recule un peu. Et j'ai un peu de lag, et désolé les gens. Hein. Alors là, on voit les mecs super bien sur mon écran, super bien planqué. Oui. Les petits bugs de texture quand même par moment. Je prends cher. Passe à la vitesse supérieure. Ah, il y en a encore. Bon, c'est calme. Tu vois des fioles, pense à moi. Il y a des mines. Prends le snipe, je te laisse le reste. Branche l'adaptateur sur l'autolock et je t'offre une voiture gratuite. Ouh. Moot, elle va nous offrir une voiture. Qui tu veux quoi comme modèle? Moi, je sais pas, une voiture rose. Une voiture rose. Hop, on va aller voir les flingues qui sont ici. Bon, rien d'intéressant pour aller revendre.
Hop. Je vois quelque chose d'intéressant. Une mine. Eh non, pas pour moi. Bon, les paysages toujours assez sympathiques. Bon, là, c'est... Oui, c'est assez sympa. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Hop, encore une caisse ici. Et... Allez, prends ta voiture rose. T'en meurs d'envie, quoi. Enfin, je vais revendre aussi. Tac et tac, allez-y. C'est l'adaptateur. Changement de phase en cours. Désactivation du verrouillage en cours. Donne-moi une minute, okay. Je vais pirater l'autolock. Ouh. Par contre, elle a très mal réglé sa climatisation, quoi. Elle a très mal gueule à chaque fois. Et... Demande une autre voiture. Notre joueur utilise. Ah oui, je peux pas l'utiliser en même temps que toi ce truc en fait. Ça c'est pas grave. Ah. En gros, il y a. Ah, il y a du rose. Allez, allez. Attends, je peux déployer le tien. Tu veux mitraillette ou lance-roquette dessus? Ah. Mitraillette, t'es en quoi toi? T'es en lance-roque? Ouais, et tu veux la couleur? Bah rose, allez, soyons gays. Allons-y, allons-y. Soyons gays, mon ami. Allez. Alors, oh là là, j'ai du lag, c'est ignoble. Oh, ça me fait peur cette histoire. Un pied sur le pour le cerveau. Désormais, tu pourras numériser une voiture dans n'importe quel autolock. Et maintenant, saute par-dessus ce fossé. Le siège. Oh, si je fais ça. T'es passé? Non. Le siège. Oh, si je fais ça. T'es passé? Non. Attends. Voilà. Allez. On peut les écraser, mais je crois que ça nique la bagnole. Ouh là là, ouais. Je prends cher moi. Need help. Mais avance, avance, avance. Ça marche pas les masses. Ah putain. J'ai l'impression d'être en pleine manifestation, on me jette des cailloux, mec. C'est un truc horrible. Hop. Je sais pas ce que c'est que la pierre bleue, là, mais on va voir plus tard. Là, je suis un peu poursuivi. Je suis derrière toi. Il y a des pigeons qui nous survolent. Dégage de là. Pas avancer. Ah d'accord. J'imagine que c'est à côté qu'on... On ouvre le gros portail. Ouais, il doit avoir un interrupteur. Ah, je vais y aller. Allez, j'y vais. Allez voir. Ah ouais, merde, j'ai changé de place dans le véhicule. Wouhou. Comment je fais pour sortir? Je reste appuyé sur A, je fais quoi? Appuie sur E.
Sur E, je suis à la manette au point. Bon, ça je connais pas les manettes, les touches des manettes. Bon, déjà il y a de la caisse. Pas grand chose. Ah, attends, j'ai trouvé. Écoutez-moi, bande de sans pitié de mes deux. Vous entrerez jamais dans Sanctuary. Oh, minute, un chasseur de l'arche. Je crois qu'il y a une caisse d'armes. Attendez, je lui passe un écho. Alors, c'est ah non. Toi, ouf. Parle sur les ondes. Moi, c'est Roland. Avant, j'étais un chasseur de l'arche comme toi. Comme dans Plus belle la vie. De quoi, il y a des chasseurs de l'arche dans Plus belle la vie? Non, mais il y a un Roland. Ah, oulala, tu vas loin. Tu vas avoir des problèmes. C'est moi qu'on va acheter des cailloux, tu sais. Roland t'a contacté? Bien. Écoute tout ce qu'il te dira. Il peut nous oh non, il faut bug. C'est vrai qu'elle a un problème de plume, hein. T'as raison. Pigeon. À chaque secousse, mes foreuses se rapprochent de l'arche. De l'ordre, de la sécurité pour tous. Sauf pour les pignoufs de Sanctuary, bien sûr. J'ai fait le cœur énergétique au sans pitié. Faites sauter le pont. Bon, du coup on entend assez mal les dialogues vu qu'on est en train de shooter comme des gros hein, comme des gros rats là, c'est pas possible. On entend pas trop ce qu'ils disent, mais bon. J'ai pas vu s'il y avait les sous-titres à ces instants là mais... Une petite ville. Waouh. Faut changer de zone, tu crois? Non. Wouh. Et de la patate. Oh voilà. Putain, je vais faire une petite bêtise. Le stop net, les monstres, c'est abusé quoi. Allez, on accélère. Oulala, mais. Oulala, ah! Mec, je suis tombé dans la merde. Ouais, t'as fait la même erreur que moi. Ah, t'as fait la même? Bon, ça me rassure. Ouais. Ok. J'ai l'impression d'être déjà passé dans le coin en plus. Pour le coup. Ouais, là je comprends pas trop où il faut aller quoi. Je le sens pas là. Je sais pas où tu nous fais rentrer mec, mais ça tue un peu. Oh là là. Voilà, je suis Keblo, comme une huître quoi. Et j'y crois pas. Oh là là, je vais me refaire une bagnole du coup. C'est du lag. Donc pour rappel, petit instant, je pense que c'est le moment de vous lasser. Ah, véhicule 2. Ah bah je vais monter dans ton véhicule, tiens, comme ça, ça... Comme ça je vais pouvoir parler tranquillou. Donc voilà, on est dans le véhicule de Moutmout sur la lance-roquette. C'est moi qui tire, regarde. T'as vu? Hein, t'as vu? Oui, je vois ça. Hein, ouais. Hein, t'as vu? Hein? Le gros boulet. Donc, c'est le moment de vous dire qu'en fait, on offre une licence de Borderlands 2, quelle que soit la plateforme. Hein, le regagnant aura la plateforme de son choix. Descends, tu m'abandonnes? Ouais. Ah! Merde! Tu comprends mieux pourquoi? Mouche! Oh putain, la loose! Oh putain, la loose! Oh, pour elle. C'est bon, je trouvais, c'est là. Ah bah, moi aussi j'ai trouvé, ouais. Ouais. Voilà. Voilà.
Donc je disais, oui, on vous offre Borderlands 2 sur n'importe quelle plateforme. Pour ça, il suffit de vous inscrire sur notre page Facebook, enfin vous inscrire, du moins liker la page, et également de vous abonner à notre page YouTube, je vais y arriver. Pas facile de fraguer et de parler en même temps. Allez, arrête d'esquiver, faut pas le malin. Voilà. Et un tirage au sort sera effectué très 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 prochainement. J'ai pas de date définitive encore. Pas intéressant. Pas de date définitive encore. Mais ça ne serait tardé. Voilà, voilà. Oula, j'ai pris Overshare. Ah, non. Caillou gentil. Gentil le caillou. Gentil. Sois mignon. Sois mignon. Couché. Complètement bugué lui. Tant mieux, regarde. Hop, je fais mon malin. Oh putain, moi par contre. Ça qui est bon. Ah merde. Le mec il reste 1% de vie et évidemment. Ah, il y a un pompe ici, je pense que c'est pour toi ça. Ça a l'air bueno. Ouais, non, pas terrible. Bon, faut aller par là-bas. Allons par là-bas. Donc est-ce que je leur ai annoncé, oui, qu'il fallait donc venir sur le YouTube et sur le Facebook? Je pense qu'ils sont au courant. Voilà. Yep. Le petit passage publicitaire, cadeau, offrande, sourire, bonheur, jouissance est passé. Nya. Sans prendre vote un peu. Bon, je te laisse faire le ménage, je te laisse pour ça. Voilà. Bonne nuit. Chasseur de l'arche. Un copain. Je ne pensais pas mériter une telle escorte. Ah, c'est le coup de pigeon. Voilà. Charge-moi, je suis paré, je tape. Ah, fuck. Gaspille mes munitions pour rien, ça craint. Ah, c'est mort. C'était l'un des premiers talents que j'ai recruté chez les pillards. Et c'était un type bien. Ramenez donc ce cœur. Et tant que vous y êtes, massacrez quelques bandits pour Ace. C'est ce qu'il aurait voulu. Donc, on dispose désormais d'un objectif optionnel. Ouh. En bleu sur le studio. Super classe quoi. Ton objectif se trouve quelque part. Ouais, mais c'était comme dans le 1 ça. Ouais, ah oui, j'avoue, c'est vrai. Tu sais, quand il fallait récupérer des crânes ou des trucs comme ça. Ah, c'était BG ça. C'était BG. Je te laisse dans ta partie. Ouh, fais gaffe, il y a des sadiques suicidaires quoi. Ah merde. Ils se jettent sur toi avec des greux. Ah, j'ai monté un peu en hauteur du coup, vu que tu fais le ménage en bas, je trouve que. On va ouvrir un peu tout ça. Il y a des fioles bizarres, c'est quoi? Médecine d'urgence. Ah, c'est BG ça. Je t'en filerai une tout à l'heure. Bah, je visite, hein, du coup. C'est le cœur énergétique. Génial. Au moins, Jack ne détruira pas son tuerie aujourd'hui. Reviens à la ville. Ah, d'accord. Il y a un pont pour toi, mec. Euh, 17 x 16. Je te laisse hein. Hop là, ça c'est de l'assist tu vois. Pété là. Il y a plein de murs invisibles. Ouais clairement ouais. J'espère que dans le prochain patch ce sera réglé. Bah écoute, on verra ça, mais je pense que ouais je pense qu'il y aura pas de problème là-dessus. Ah mec. Tu peux te le faire ou bien? Ouais, je pense. Enfin, je te l'affaiblis. Non. Ok. Putain, mais il y a un big mastodonte. Avec un bouclier et tout. J'ai envoyé ma grenade dessus. Faut le contourner.
Merde. Attends. Je vais mettre ma tourelle là-dessus et je vais le faire venir par là. Il est sur ma tourelle là, le gars. Je veux changer d'arme, s'il te plaît. Et je ne peux pas, je sais pas pourquoi. On est en train de record, merci de bien vouloir quitter le channel. Alors là, je suis en très très mauvaise posture. Ouais, je vais essayer de tomber là, le brutal. Ah, ça résiste un peu, voilà. Quelques difficultés. Ah, je suis au sol. Je suis au sol, j'ai essayé de faire un second souffle. Ouais, ça devrait être gérable. Yes, c'est bueno. Je l'ai tombé, le gros bouclier. D'accord, GG. J'étais dans une espèce de petite cabane, il m'a rushé, c'était assez violent. Ah, mais le mec s'est suicidé, j'ai halluciné, quoi. Et oui, 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 c'est ça. J'ai halluciné. Tu me sers de bouclier, hein, ne prends pas ça mal. Mais... Non, non, mais fais-toi plaisir. En plus, j'ai la précision d'une mitre avec mon truc, là, c'est ignoble. Je vais aller le chercher direct, le gars, il va pas me chauffer. Dors. Par contre, ça arrête pas de pop et tout, c'est chiant là. On va peut-être trouver ce dont pourquoi nous sommes présents. Non, mais ça popera pas à l'infini de toute façon. Et puis. Oh, un suicide sur moi là. Ouais. Tu peux gérer ou bien? Non, il y a aucun ennemi à côté de moi là. Non, mais j'ai 18 de vie, j'ai pas de... Bon, attends, je lance ma tourelle parce que là je suis en galère. Ah, oh, vite, il y a un ennemi à côté de moi. Vite, vite, vite. J'arrive, je me dépêche. Ah, ah merde, ah, t'es loin. Ah, non. Putain, je viens d'arriver sur zone en plus. Et je suis dead aussi, putain. Je peux peut-être me le faire lui au moins. Voilà. Moi je repars. Merde. Ok. C'est bête que t'as pas moyen de te popper sur moi en fait. Ouais. Non. Dégage avec ta. Il y a des mecs suicides partout, tu sais. Ah là là. Être tendu, je sais pas où t'es. Assez loin. Ok, moi je gère, je me fais du second souffle et je me casse. Je me... Ah, 9 de vie, c'est bon, je suis à couvert. Pas pour longtemps. Et merde. Et merde, et merde, et merde, et merde, et merde. Ça pue, ça pue. Ça sent le let's play, je sais pas pourquoi. Voilà, évidemment. Et le gars, je peux pas me le faire. Il se barre. Ah, c'est pas cool ça. Ah non. Ah putain, je suis mort. Je suis mort. Bah, pour te dire à quel point je suis près de toi, je suis là où tu prends les voitures. Voilà. D'accord, ok. Bah écoutez les amis, j'ai envie de vous dire qu'on va se quitter pour cet épisode numéro 3 de notre Let's Play sur Borderlands. J'étais accompagné de Mout Mout qui vient de se faire spawn deux voitures. Au revoir Mout Mout. À la prochaine. Voilà, et puis bah, on vous dit à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter également, les petits pouces verts, ça fait toujours plaisir. Donc, voili valou, salut, salut! Oh, assez vite, oula.